C'est la deuxième plus haute œuvre d'Europe. Elle est en cours de finition au quartier des Coteaux de Mulhouse. L'artiste Douron, grand spécialiste du street art, et sa compagne Elodie Loll sont en train de terminer cette fresque géante. Nous retrouverons Stéphanie Malleron à leur côté en direct à 24 mètres de hauteur. C'est une œuvre monumentale de street art qui est en cours d'achèvement à Mulhouse dans le quartier des Coteaux. Une fresque géante de 38 mètres de hauteur peinte sur un des immeubles de M2A Habitat et signée par l'Espagnol Douron et sa compagne française Elodie Loll. Bonjour Stéphanie Malleron, vous êtes sur place et même carrément en hauteur avec les artistes à vos côtés Stéphanie. Et oui, j'en ai de la chance. On est à 24 mètres précisément de cette œuvre. On a un point de vue vraiment privilégié. Et bien là, vous voyez, l'œuvre est en train de se terminer. Une femme qui a été choisie hein, pour apparaître sur ce mur. Pourquoi ce choix? Alors toujours la figure féminine parce qu'elle représente le respect. C'est notre choix de représenter le respect avec une figure de femme. Et c'est la 53e fresque. De femmes un peu partout dans le monde. Oui, parce que alors vous, ensemble, vous êtes... C'est symbolique, la femme. C'est symbolique, la femme. D'accord, la femme, c'est symbolique. Elle est presque terminée. Ce qu'il faut dire, c'est que Douron, donc ce duo d'artistes, depuis 4 ans, est très renommé pour ses œuvres, ses fresques de street art dans le monde entier. Hein. Vous êtes maintenant à Mulhouse à la demande de M2A Habitat. Vous êtes venu grâce à une galerie mulhousienne. Tout à fait, la galerie Orlinda Laverne qui nous a repérés lors d'une prestation à Paris. Et nous a appelé, a voulu faire une exposition avec nous et on a discuté ensemble pour faire également une fresque. Alors ça fait plusieurs années déjà qu'à Mulhouse, le street art grimpe, qu'il y a de plus en plus d'œuvres. C'était important pour vous de venir dans une ville comme ça? Vous le saviez qu'à Mulhouse, on aimait ça, le street art? Alors Fabio a fait des recherches quand effectivement Orlinda Laverne nous a appelé. Il a cherché street art Mulhouse sur internet et il est tombé sur Wikipédia, ce qui nous a beaucoup étonné. Et donc pour le coup, oui, on a été très curieux et se dire pourquoi Mulhouse et pas Paris ou Marseille ou... Donc oui, effectivement, oui, c'est important pour nous. Alors il y aura encore 3-4 jours de travail. Là, il manque les cheveux, des cheveux végétaux. Oui, tout à fait. Et la partie la plus compliquée, non seulement à cause de la hauteur, mais aussi elle va être extrêmement détaillée, donc ouais, la plus compliquée. Pero todo falta, falta de... Mais il manque encore, il n'y a pas que les cheveux. D'accord, il manque encore des parties. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les artistes vont rencontrer des habitants. Ça crée vraiment quelque chose d'important dans Mulhouse et dans ce quartier. Et donc, on vous en reparle ce soir dans le journal, bien sûr. Merci Stéphanie Malleron, merci aussi à Bernard Stemmer pour les images.